Vous avez vu comme The Big Gamowski porte bien son côté sombre. Tiens d'ailleurs, en vous parlant de côté sombre, je vais faire une petite parenthèse pour rappeler que vous pouvez soutenir l'émission puisque si vous avez la chance d'en profiter sur YouTube sans aucune pub la plupart du temps, c'est une volonté de l'émission et c'est grâce au soutien des tipeurs. Et c'est super important que vous les rejoigniez. C'est pas la peine de donner des montants de dingue. Le tout, c'est de rentrer quelques euros tous les mois, de manière à permettre à la chaîne de se passer totalement des pubs YouTube sur laquelle se gavent les gens en haut de la pyramide, comme d'habitude. Pas moi en tout cas. Ce serait une bonne chose, vous avez l'adresse en bas dans la description pour le Tipeee. Pensez à filer un coup de main, sérieusement. Ça peut être sympa, surtout que je pense que vous avez remarqué qu'il y a pas mal d'efforts fournis ces derniers temps pour vous montrer pas mal de choses. Et parmi ces choses, on va regarder la preview de Liberated. Liberated, qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est un jeu qui déjà va vous attirer visuellement si vous aimez les bandes dessinées. Parce qu'il y a un côté très comics ouvertement recherché. Pour vous mener dans une aventure qui va mêler infiltration, headshots et autres double salto. Allez, on part dans cette preview. Thank you.
Alors ouais, le jeu tient à la lettre son rôle de bande dessinée plus. Et promet d'être rude apparemment. Va falloir vraiment s'habituer à la visée. La visée au stick droit. Et apprendre à se planquer au bon moment. Pff, ça pardonne pas. C'est pas pour Monsieur K, ça, on n'est pas dans un shmup. Cache-cache. Donc pour l'instant, plus toute queue de l'action, c'est quand même de l'infiltration. Soyons positifs. Ouais, j'ai eu un bon maître aussi, il faut dire, en hacking. Oui, un matheux, tout ce que je ne suis pas. On va éviter de courir puisque 3 bastos et c'est cuit pour moi. D'ailleurs, on voit pas où c'est que se trouve là. Est-ce que je peux tirer à travers là? On ne voit pas ma jauge de vie. Être un petit poil annoying. On n'a pas de compteur de balles, donc je pense que c'est pas limité. En tout cas, graphiquement, c'est bien réussi. Hein. On est vraiment dans une BD interactive. Alors maintenant, c'est la partie action. On va voir. Si ça se diversifie, s'il y a un peu de réflexion aussi à des moments, ce qui semble avoir été sous-entendu. Il a un petit air Stan Winston ou c'est moi? En tout cas, je connais déjà toute une catégorie de joueurs à qui ça va plaire. Ah, c'est ceux qui ont adoré 13.
Ce fut rude. Ah, j'ai trouvé la course et j'ai trouvé le furtif. Ok. Je vais attendre que ma vie remonte parce que là, je pense que je prends une bastos, c'est cuit. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis fait avoir bêtement. B, il devait y avoir une action à faire et je me suis fait avoir par le coup, par le Quick Time Event. Je vais aller à la bourre. Hein. Ça paye. Oui, on n'avait pas encore plateformé depuis tout à l'heure, on fait que tirer. Et il me manque un bout d'échelle apparemment, c'est mal barré. Bon, pas pour moi. Ah mais il y avait ça. Ah mais c'est l'ascenseur par lequel je suis arrivé. My bad. J'ai aucune indication sur mes réserves d'air. Je compte sur le bon sens pour m'aider. Et voilà qui va basculer mon échelle, je présume. Pas vraiment. Et ça m'a pas résolu mon problème d'ici. J'ai dû oublier quelque chose. Pourquoi je fais ça? Je voulais pas le savoir. Moi non plus d'ailleurs. Il n'y a rien à manipuler ici. Là, je vais monter ça dans mon ascenseur. Comme ça, à l'étage, je vais pouvoir enfin monter, activer ces manettes. Alors le jeu prend son temps. Hein. C'est le début, tranquille, c'est la phase tuto.
En plus, on est en pré-version, donc il n'est pas supposé avoir l'intégralité de ses fonctionnalités. Mais on voit que le truc a été bien cogité. Et Papy va faire encore d'exercice. Ouh, que c'était lourd. Bon, il n'y a que de la paille là-dedans. Sacré papier. Non mais il faudrait que tu sautes comme il faut, ce serait gentil quand même. Non? Ah oui. Peut-être la partie de plateforme va être un petit peu énervante. Parce que la précision est toute relative. Alors une porte ouverte en bas, donc j'amène la caisse de l'autre côté. Je manipule l'autre interrupteur et oh joie, au bonheur, me voilà libéré de cette grille qui m'empêche de passer. Pour l'instant on a que de la logique. Il y a un autre truc qu'il va falloir voir sur la durée, c'est l'histoire. Parce que, pour vous donner envie d'aller plus loin, il va bien falloir une carotte au bout du bâton. Et vous serez pas un papy plus intelligent, pas un papy plus costaud, pas un papy plus sportif. Vous serez toujours un papy. Mais vous tirerez peut-être des plus grosses bastos. Allez, ça va. Non, mais ce que je sous-entends, c'est quand même... il va falloir un bout de scénario, là, les gars. Oula, je crois que pour monter là-haut, c'est pas gagné. On va tenter. Papy saute très très mal. Je vous le dis. Il a tendance à d'abord avancer et sauter après, quoi. Il a l'info très tard. Hein, papy? T'es un peu sourd? T'as pas compris ce que je voulais faire? Fraguette. Je veux bien que t'ailles sur le côté, gros. Merci. Et voilà la deuxième grille ouverte. Et on y va. Oui, la partie plateforme est pas terrible, terrible. La partie shoot, on s'y fait très vite. Mais sur tout ce qui est saut en particulier. C'est pas super glam le saut. J'espère que j'aurai pas des passages à la Mario. Alright. Cette phase est vachement bizarre parce que on vous dit piloter le drone et poser des explosifs. Mais il n'y a aucune indication de à quel endroit les poser. Et j'ai bien l'intention d'en poser pour chaque nouvel ami que je vais me faire pour la vie. Donc toi, spot, 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 et je pense qu'en dessous, où c'est qui pourrait se planquer? Un traquenard serait bien... Là. Oui, il y a quelqu'un là derrière. Et il y a encore quelqu'un là. Nous y voilà. Et toi?
toi, ça va pas être long. Je ne sais pas si c'est très judicieux, hein, cette visée au strict droit, qui est aussi précise que maladroite, parce que faut bien voir que quand vous êtes au bout de la ligne de tir, l'écart est vachement plus élevé que quand on regarde au début du canon, quoi. Et là, je bouge à peine, et vous avez vu les écarts, le headshot quand même, faut le mériter. Je pense que j'ai buté tout le monde. Problème, mec. Oh, gros problème. Ça aurait pu se passer plus mal. Oui, on a un problème, c'était ce que j'étais en train de réfléchir. J'ai pas envie de finir comme dans le troisième Alien. Oui, souvenez-vous, ce malheureux prisonnier qui par inadvertance, a ripé dans une canalisation au bout de laquelle se trouvait ce genre de gigantesque ventilo. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas. Non, mais c'est pas la peine d'insister. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. Hop, 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 c'est là-bas. On va essayer de pas se casser la figure au retour, je regarde moins bête. J'ai une lampe qui m'éblouit, En tout cas, il a de la souplesse, hein, le papé, pour son âge. Un peu tardif le headshot quand même, les amis. Et ben voilà, c'était le petit tour pour se donner un avant-goût de Liberated. Un jeu qui va beaucoup plaire aux gens qui aiment l'infiltration avec un petit peu de plateforme, un petit peu d'action, un tout petit poil de jugeote et beaucoup de style. Oui, j'insiste, hein, si vous aimez les comics, vous avez vraiment l'impression d'être dedans. Et du coup, le style est très réussi, le gameplay est plutôt pas mal, il y a peut-être des choses à améliorer, mais je vous rappelle qu'on est en pré-version. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, le bouton d'abonnement et je vous dis à bientôt!